Hello, donc du coup, les cannes n'ont pas voulu rentrer hier soir dans l'enclos. Aujourd'hui non plus, hein. La preuve c'est qu'elles sont même quasiment toutes dehors, mais bon, elles restent dans le pré. Donc ça veut dire qu'en ce dimanche de Pâques, il va vraiment falloir que je cherche des œufs dans le jardin parce qu'elles n'ont pas voulu pondre dans le pondoir. Voilà. Et à part ça, les nuggets vont bien et me font gentiment remarquer que bah, ça y est, ils ont plus d'eau, ils ont tout foutu par terre, ils ont tout bu. Donc il faut que je m'en occupe. Allez. On y est, toute la voilà, il est rentré. Donc il m'a fallu pour ça donc faire un gros petit entonnoir, on va dire, avec le filet vert et noir, ouvrir le filet orange, et enfin, proprement dit, un gros filet à volaille, comme le filet à papillon qu'on voit là-bas. Je sais pas si on a de bons yeux, mais en tout cas là. Donc j'étais toute fière de moi, j'étais partie chercher la caméra pour pouvoir immortaliser cet instant fou dans mon week-end, qui est, ça y est, la volaille est dans le poulailler. Seulement, je viens de m'apercevoir qu'il y a de nouveau une kaki Campbell qui est sortie. Par où? J'en sais rien, mais qui est sortie. Sale bête. Donc, c'est officiel. Pour moi, il n'y a pas plus bête qu'un canard. Dans Babe, le film. L'animal le plus bête apparemment, c'est le mouton. Eh bien écoutez, le canard, c'est le mouton de la volaille. Ça c'est clair, hein. C'est le mouton de la basse-cour, ça suit tout le monde, ça se paume et ça sait pas par où il est passé. Donc voilà, donc là j'en ai ras le bol, moi je jette l'éponge, elle dormira dehors. De toute façon, même si je réélectrifie le tout et voilà, ben ça changera rien. Elle décidera de ressortir quoi qu'il arrive. Donc, ben sur ce, je repasserai tout à l'heure quand toutes les poules auront décidé de faire dodo et seront allées se coucher. Hein, les filles? Et puis voilà. Et comment ça va les rapaces? Voilà. Bon bah allez, à tout à l'heure la grise. Sale bête. Chat perché. Voilà, ça y est. Donc j'ai mis sous tension le filet, enfin la clôture électrique en fait, c'est comme ça plutôt que je devrais l'appeler. Donc je l'ai mis au maximum, comme hier soir. Hein. Ça n'a pas empêché au canard de sortir, donc je vois que c'est quand même prévu pour des grosses bêtes. Hein. Donc si quelqu'un a une idée. Bah, qu'ils me le disent, parce qu'apparemment les canards, ils s'en moquent totalement.